Putain, c'est quoi cette musique de merde dès le matin là? Oh, tu m'entends? Putain, éteins cette putain de musique, bordel! Comme ça, même c'est barré en Alaska. Ouais. T'as comme qui dirait laisser la maison. Eh bien, elle savait que je descendais par ici, alors elle m'a proposé de rester. T'arroses les plantes? Ouais. Tu laisses l'évier propre, hein? Elle supporte même pas une feuille de thé dans l'évier, tu sais. Oui, je sais. Elle va rester là-haut longtemps? Je sais pas. C'est chouette pour toi, non? Toute la baraque, rien qu'à toi. Ouais. C'est super. Au moins, t'as des grillons. Hein? Il va y avoir des tonnes de grillons là-dedans. T'as fait les courses? Y'a du café? Quoi? T'as du café? Ouais. Du vrai, en grain? Ouais. T'en veux? Non, je vais amener de la bière. Écoute, si tu veux quelque chose, tu te sers. Bien sûr, hein. T'inquiète pas pour ça. Faut pas s'inquiéter pour moi. Tu travailles toujours à la chandelle? Non. Pas tout le temps. Juste des fois, hein. Juste de temps en temps. C'est reposant. Ah ouais, c'est reposant. C'est comme ça que faisaient les vieux, hein. Les vieux? Bah les anciens, quoi. Les anciens. Bah ouais, c'est comme ça qu'ils faisaient. La bougie qui brûle dans la nuit. Les cabanes en rondins dans les étendues sauvages. Je suppose. Je t'ennuie pas, là. Je veux dire, j'ai pas envie de briser ta concentration. Non, c'est bon. Ok. Je réalise que dans ton boulot, il faut beaucoup de concentration. C'est bon. Tu dois sûrement te dire que je suis vraiment pas capable de comprendre un truc comme ça. Hein. Comme quoi? Ce que tu fais, cette tare, je sais pas comment tu l'appelles. C'est juste un peu de recherche. Tu n'es sûrement pas au courant, mais j'ai fait un peu d'art moi aussi dans le temps. Ah bon? Ouais, j'en ai fait un peu. Je me suis amusé avec. Y a pas d'avenir là-dedans. Et qu'est-ce que t'as fait? T'occupe pas de ça. T'occupe seulement pas de ça, ok? Alors t'es allé voir le vieux? Ouais, je l'ai vu. Et comment va-t-il? Pareil, il va comme toujours. Je suis allé aussi, tu sais. Et alors? Tu as un prix ou une médaille? Tiens, allez, il m'a tout raconté. Qu'est-ce qu'il t'a dit? T'inquiète pas, il m'a tout dit. Écoute... T'as rien besoin de dire. Mais je disais rien. Ouais, mais t'allais trouver quelque chose encore. Quelque chose de brillant. Tu comptes rester longtemps ici, Lee? Ouais, ça se peut. Ça dépend. Tu as des amis ici? Je connais quelques personnes. Eh bien, tu peux rester aussi longtemps que j'y serai. Je crois pas avoir besoin de ta permission. Non. C'est aussi ma mère à ce que je sache, non? C'est juste. Elle aurait aussi très bien pu me demander à moi de garder la maison. C'est vrai. Moi aussi, je suis arrosé des plantes, bordel! Ok? Tu sais pas combien de temps tu vas rester. Ça
Ça dépend surtout des maisons, tu sais. Des maisons? Ben ouais, des maisons. De l'électroménager, les trucs comme ça. Faut que je fasse un petit tour d'abord. Lee, pourquoi t'essaierais pas notre quartier, d'accord? Qu'est-ce qu'il a, ce quartier? Il est très bien, ce quartier. Écoute, il est pulpeux, presque pas de chien. Écoute, il se trouve que notre mère vit là. Mais personne n'en saura rien. Tout ce qu'ils verront, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, c'est tout. Elle n'en entendra même jamais parler, personne n'en saura rien. J'ai trop de choses à faire ici pour avoir le temps de m'inquiéter. Mais t'auras pas à t'inquiéter pour moi. Hé, je me suis débrouillé tout seul pendant 5 ans. On s'est pas vu pendant 5 ans, pas vrai? Si. Eh bien alors voilà, je suis autonome. D'accord. D'accord. Maintenant, tout ce que je veux, c'est emprunter ta voiture. Non. Et juste un jour. Un jour. Non. Et juste une fois. Une fois. Non. Et je te la dépasse pas d'un rayon de 30 miles, je te jure. Tu pourras vérifier sur le compteur si tu veux. Tu n'empruntes pas ma voiture, c'est tout. Dans ce cas-là, je te la prends. Écoute, Lee, je veux pas de problème, ok? C'est quoi cette réplique nulle à chier? Ça, c'est vraiment une réplique de merde, hein. T'es payé pour prendre un truc comme ça? Je peux te donner de l'argent si tu veux. Mais me dis jamais un truc comme ça! Jamais! Ça peut marcher avec le vieux? À le racheter avec ton fric pourri d'Hollywood? À le remplir d'alcool pendant une semaine? Mais pas avec moi! Je peux me faire un tas de pognon tout seul! Un tas de pognon, putain! Ok? Je te faisais juste une proposition. Ouais, mais gardez pour toi!